Chers amis, merci d'être avec nous. Une très belle rencontre que nous vous proposons encore une fois avec une personnalité qui a passé son temps à chercher sa propre destination du bonheur, si je puis dire, et qui nous incite aujourd'hui à trouver ce raccourci euh, qui va peut-être euh, nous emmener à notre propre bonheur. Waouh, quelle belle définition. Et vous allez voir qu'on va mettre de l'humour, du plaisir surtout, et on va vous permettre d'avoir une autre vision de la vie parce que la thérapie par le rire... On en a un peu besoin hein, en ce moment, plus que jamais. Marion Dubé est là. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Ravi de t'accueillir. Merci. Alors, je dis tu après tout. Bon, voilà, euh, souvent. Non, mais. On je sait... savais que ça allait pas tenir, mais en fait. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais... Je à moi, s'il <laughs> veut. Mais il ouais, ouais, y a moyen bon, que ça allez. tienne pas. Mais... On garde le tu. Allez, on garde le tu. Bah, on est bon, bien euh... comme ça, non Mais oui, je sais bien, mais on a beaucoup de réflexions de gens qui nous disent Mais euh, comment pouvez-vous tutoyer les gens où vous ne connaissez pas Machin, etc. Bon, en fait. ah, bah après, moi, j'ai vécu à Montréal une année et okay, ouais. bon, je sais tu. que le respect n'a rien à voir avec le tu ou le vous. Et bon. souvent, malheureusement, en France, ça se confirme. Donc, donc euh, bienvenue sur ce canapé. Euh, merci de t'installer quelques instants pour nous raconter d'abord ton parcours. Parcours de vie et ces petites pépites euh, au nombre de sept, si je ne m'abuse. Sept euh, que j'ai écrites et donc deux que j'ai publiées en tant qu'éditrice. Voilà. Je suis également éditrice. Et, et on va en parler de cette maison d'édition. On va parler aussi de, de ce parcours de vie parce que tu sais que dans les rencontres, c'est ce qu'on aime faire, hein, savoir et connaître la raison pour laquelle tu te retrouves installé sur ces canapés et ce cheminement euh, qui aujourd'hui, au travers de ce que tu écris, de ces romans, te permet de proposer cette thérapie par le rire. Cest d'ailleurs assez étonnant de se dire que ne serait-ce qu'en lisant on peut aider des gens je t'avoue que j'ai été très surprise euh, moi même alors euh, déjà dans un premier temps c'était les bienfaits au niveau personnel euh, que ça m'a procuré décrire mon histoire eh oui mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à, à des retours aussi forts au niveau euh, du bien-être apporté euh, à celui qui me lit. Ouais, et voir même euh, des thérapeutes et des psychologues ouais, alors ça, qui conseillent euh, ouais, tes ouvrages. Ouais, ça c'est incroyable. Dans mon parcours d'humain, ça c'est, j'avoue, c'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé euh, que mes romans seront, seraient recommandés euh, par des professionnels de la santé. C'est presque un peu une blague en fait, quelque part. Alors la question que je me suis posée en t'accueillant, Marion, c'est de se dire, tu, tu es plus auteur que thérapeute, thérapeute, auteur, tu, comment tu te définis euh, Auteur. Je ne prends pas la responsabilité de l'impact que j'ai sur les gens. <laughs> je... C'est tellement aléatoire. Oui, ouais. oui, oui, parce que j'y mets tellement de, de belles intentions. Puis moi, je suis, euh, je suis de plus en plus spirituelle, et je pense vraiment que les gens qui viennent à moi sont des gens qui ont besoin de cet outil-là. Ouais. Donc, il euh, n'y aura pas trop de maladresse ou de faux rebond, du coup. J'ai moins peur de ça euh, plus les années avancent et, euh, et, et plus, euh, plus mon travail euh, s'assoit. Oui. Mais c'est vrai que la casquette thérapeute pour moi, il euh, y a tellement de, de paramètres en fait qui se jouent entre quelqu'un à l'instant T comment il va quand il va voir un thérapeute et l'histoire qu'il va raconter avec, oui. euh, si tu veux, bah son humeur, son, son prisme de, de, de sa personnalité et puis la personne qui va le recevoir, comment elle va entendre. Moi, je raconte mon histoire aujourd'hui. Demain, on serait, on serait ailleurs. Ben, je la raconte avec mon humeur euh, de demain, quoi. Mmh, mmh. Et, et là, il y, y, y a tellement de variantes qui se jouent que je trouve que c'est euh, hyper difficile, en fait, d'accompagner quelqu'un. Euh... Moi, je balance mon histoire et puis euh, le lecteur. Ouais. En euh... fait, ce qu'il en veut. Ce qu'il en peut. Souvent, ouais, ouais ce qu'il qu en peut. Tu sais que je viens d'ouvrir. Ah, il n'y a pas mmh. de hasard. Dis-moi, j'ai hâte. <laughs> tu tombes sur quoi ouais. ouais. Personne ouais. ne peut te venir en aide. Personne ne peut te sauver, sinon toi. Ouais. Alors, celui-là, c'est un, un témoignage. Je ne sais pas et... si c'est un message. Ah, ben, bah, c'en <laughs> était un pour moi, en tout cas, au moment où je l'ai écrit. C'est ouais. vrai ouais, ouais. Ouais. Parce que tous ces livres, il euh, y en a sept au total, on va les, on va les présenter parce qu'ils sont là en visuel, et Mo va, va les mettre euh, en, en première ligne, si je puis dire, mais euh, c'est tous, tous une partie de toi. Une très, très grosse partie. Il doit y avoir, euh, dans, dans ceux que j'assume un peu moins, <laughs> les deux premiers, mmh. euh, peut-être que euh, 97% de, de la réalité. Mmh. 3% de, de, de romance et de fiction, peut-être un peu. Et puis après, euh, tous les autres, euh, plus ça va, plus j'assume. Alors, le... qui est ce personnage Noah. Mmh. Noah, ouais Mon alter ego. Ton alter ego euh... À qui tu fais vivre euh... Des situations euh, improbables. Ah ben bah, c'est pas moi qui lui fait vivre, hein. euh, moi je raconte. Hein. C'est euh, l'univers qui lui envoie <laughs> des trucs improbables. Ouais non non c'est vraiment euh, je raconte mon histoire, hein, mm. on va pas se mentir. Mm. Et, euh, et dans la saga en fait il y en a deux qui sont des témoignages. Donc là le personnage principal s'appelle Marion. Ouais. Euh, c'est je pense c'était euh, c'était voulu dans le process de euh, de libération émotionnelle sur mon parcours. Donc, il y a les banalités extraordinaires. C'est un témoignage sur le décès de ma maman, euh, survenu en 2016. Et cet espace dont j'ai manqué, du coup, c'est euh, mon burn-out personnel. Euh, mmh. Est-ce que tu as le sentiment parental que, parental. sur des, 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 des sujets aussi délicats comme ça, hein, qui touchent tellement de gens dans notre société, le fait de, le, de faire passer ces messages par le rire, l'écriture dans un premier temps, et le rire dans un de second temps, voir les deux jumelés, c'est beaucoup plus simple alors, je t'avoue que je ne me suis pas posé cette question. Je ne me suis pas dit, tiens, comment je vais écrire et euh, tiens, euh, quel va être euh, mon angle d'approche. Ouais. En fait, je crois que je suis comme ça. Je suis comme ça parce que euh, c'est plus facile de mettre un nez rouge sur tes problèmes que euh, de les affronter avec une cape noire et un sabre. <laughs> ça fait un peu moins peur déjà. Mmh. Et puis, euh, voilà, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, tout simplement. Donc, euh, on les accueille, elles elle nous tombent sur le coin de la figure, sur le coin du museau dans la vie. Mmh. Et que bah, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et puis comment on a envie de les accueillir, quoi. Tu dis d'ailleurs, dans la manière dont tu écris, tu dis Mon cerveau est capable de créer un sketch à partir de n'importe quelle situation. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça, hein Ouais. Mmh. C'est-à-dire, je suis toujours. Moi, je suis admiratif de ceux qui écrivent. Je suis vraiment admiratif de ceux qui écrivent parce que je me dis toujours, et c'est pas le but, mais si t'en vends deux, tu l'as fait. Tu vois, ouais. le sentiment, c'est de se dire que au moins tu laisses un truc, quoi. tu laisses quelque chose. Je... Et tu impactes les gens. Est-ce que tu le vis comme ça ou pas Pas du tout. C'est vrai ouais. Ok. Je ne suis pas du tout dans cette démarche-là de euh, sur survivre à ma vie, oui, <laughs> survivre oui, oui. à la fin oui. de ma vie. Moi, c'est plus, euh, tiens, il m'arrive, euh, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots. Si, si, vas-y, vas-y. Okay. Ce ne sera pas des gros, gros mots. Mmh. Euh, il m'arrive des merdes. Ouais. Euh, pff, allez, elles sont là, on va en faire quelque chose. quoi. Alors, je ne sais pas si c'est de la résilience ou de la créativité, peut-être un mix des deux. Mmh. Mais tiens, qu'est-ce que je peux en faire à partir de là euh, Bon ben voilà, on va en rire, on va on va grandir, on va s'enrichir et puis on va partager. Comme ouais. ça ce sera au service des autres. Ouais. Je, je vous montre comment je, moi je me suis cassé la gueule. Comme ça peut-être que vous, ne ben, vous, vous prendrez pas les pieds dans le tapis, mmh. ou si ça vous est arrivé, ben venez, on en rigole ensemble et puis... Euh... Ça veut dire que toi dans le processus, tu n'as pas de... Tu n'as pas toutes ces phases dont on parle, c'est-à-dire euh, la colère et puis ensuite il euh, euh, y a cette incompréhension, le ah pourquoi. Si. Ah, si tu vis toutes ces phases-là ah avant si, d'en arriver si. au rire et euh, à la dédramatisation de la situation. Je pense que ça dépend, euh, ça dépend du morceau qui me tombe dessus quoi. Okay. on va parler évidemment ouais. des grandes étapes de ouais. ta ouais. vie. Il y mais, en a euh... certains, c'est tu peux pas en rire tout de suite quoi. C'est mmh. je, je peux pas me marrer quand je reçois un SMS de mon conjoint alors que j'entame une mission humanitaire au Cambodge. Euh, je peux pas me marrer quand il me dit que ma mère est morte quoi ne enfin, ouais, ouais. je, je suis pas folle je suis je suis tout un tas de choses mais, mais, pas, mais ça. pas ça ouais, ouais, ouais donc euh, quand même mais par contre il euh, y a, a quelqu'un qui me disait ça l'autre jour je sais plus qui c'était euh, ben, justement c'était Orlan là qui me disait en fait euh, la, la colère et le rire et, et oui et le rire ce sont deux émotions très explosives qui sont très proches l'une de l'autre en fait. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'on arrive à voir, euh, c'est pour cette raison qu'on arrive à voir des gens qui des fois lors d'un enterrement explosent de rire parce que si tu veux, les, la pression est tellement forte à l'intérieur mmh. que, que tu... tu, enfin, tu moi, hein, clairement, parce que ça m'est arrivé, mon Dieu. Euh, tu, tu vas entendre une vieille dans la chorale qui, 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 se, qui se rate <laughs> sur le couplet. Et là, ton esprit, il va avoir envie de décompresser et, et tu vas exploser de rire, alors que c'est clairement pas l'endroit. Parce que justement, la pression est tellement forte à ce moment-là que, que ça explose. quoi. Mais, euh, mais, mais c'est. C'est pas tout le temps. On sait pas trop quand est-ce que ça peut arriver, mais en fait, c'est vraiment tu peux basculer de l'un à l'autre. Euh, c'est euh, très proche comme émotion. Oui, ouais, 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 c'est sûr. Et alors, c'est vrai que euh, cette situation-là, quand tu te retrouves face à ces difficultés, à ces épreuves euh, de la vie, une de tes premières euh, réactions, c'est d'avoir envie d'écrire euh, Non. Ça, ça vient après. L'envie d'écrire, c'est, euh, c'est euh, non. Non, non, moi j'ai un tempérament très explosif, donc d'abord c'est euh, j'ai envie d'exploser. Quel signe, quel signe tu es Capricorne. Capricorne. Alors euh, ça va pas être ça, je pense, c'est plus au niveau de, de la personnalité, mais mmh. euh, bon, après je suis quelqu'un de très exigeant, enfin, oui, mmh. je, je réponds mmh. bien au Capricorne quand même, mmh. <laughs> et à la balance euh, pour l'ascendant. Mais, euh, mais euh, non, ça vient après, alors cette phase, euh, en fait je, je, je suis quand même saine dans l'analyse. Euh, euh, on va dire que je suis quand même assez lucide dans l'analyse de mon, de, de mon caractère et de, de la façon dont, dont je réagis, parce que ça fait un moment que je m'analyse, hein, euh, clairement. Ouais. Et du coup, euh, j'ai besoin de laisser retomber pour, euh, pour m'exprimer avec un peu de lucidité. Mmh. Parce que si tu veux, il euh, y a des fois des trucs, je sais qu'en laissant reposer, ça ne sera pas aussi intense, ce sera pas aussi n'importe quoi. Mais je suis quand même encore connectée à cette émotion quand j'en parle. Quand je la raconte, mmh, mmh. du coup, je peux quand même en parler parce mmh. que ça fait partie de moi, mmh. mais en ayant fait un pas de côté. Bon, tu vas en tout cas, Marion, nous présenter dans un instant euh, les sept ouvrages qui vont qui vont s'afficher sur l'écran. Tu vas nous parler également de tes projets, de ta maison d'édition, parce que tu as eu le courage de lancer cette maison d'édition, et quand on sait que le, le marché du livre, si je puis dire, est quand même assez euh, mouvementé hein, ces dernières années. Euh, de tes projets aussi, au travers des, des concepts que tu vas proposer aux autres, mmh. de raconter leur propre histoire aussi, d'écrire leur histoire. Mais avant cela, le principe des rencontres, c'est de raconter ton parcours de vie. J'ai l'impression, en te lisant, et je vais te dire sincèrement, quand j'ai lu la fiche de prod, on travaille toujours de cette manière-là, ou les informations que tu nous envoies, j'ai commencé à lire et je vois... Le début de cette première vie un peu idyllique, choyée, euh, euh, où on sent bien qu'avec ton frère tout va bien, qu'avec tes parents tout va bien. Ouais. Et d'un coup, il y a cette cassure mm. qui vient sans doute de la personne à laquelle on ne s'attendait, mais alors pas une seconde. C'est ta maman. Mm. Donc il y a bien cette première partie de vie mm. où ouais. tout va bien. Mm. Et puis, d'un seul coup... C'est... Pardon, hein fou. Non, non, mais si, on peut Quand couper. tu la racontes comme ça, en fait, j'avais presque oublié cette, euh, cet épisode. J'étais... Ouais. Pardon, hein Non, non, ben non surtout pas. C'est moi, alors. Euh, <laughs> J'étais devant mon écran. Non, non c'est OK. J'étais devant mon écran et j'ai fait... Waouh Ouais c'est vrai. Ouais, je l'ai raconté comme ça, c'est vrai. Oui, tu, tu l'as raconté ouais. comme ça. Et en fait, ta maman, à un moment donné, vrille. Non, je ne pense pas que ce soit à un moment donné, en fait... Je pense depuis toujours. C'était sous-jacent mmh. et, et voilà. Mmh. Quel a été le, 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 le moment, la cassure, où euh, d'un seul coup. Tu veux qu'on fasse une petite pause non, 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 ça, ça va, ça va. Okay. va. J'essuierai je, le mascara qui coule. <rire> <rire> euh, je pense que. Je pense que ces blessures, elles ont explosé en fait euh, avec l'effet miroir de ce que j'étais. Donc cet enfant dans la joie, euh, cet enfant intrépide qui a peur de rien et. Euh... Adoré! Ouais, c'est vrai. Terriblement choyé, ouais, tu le vrai, comme ça. c'est vrai. À ce moment-là, c'est vrai, c'était le cas. Ouais. Tu as, t as, t as un grand frère, je crois, hein, oui. un, un grand frère qui t'adore, ouais. qui t'emmène partout, ouais. qui te balade aux quatre coins, et, et, et ton papa qui t'adore, évidemment. Ouais. Donc, tu es dans ce concombre-là, et tu es une petite fille un peu euh, ouais, pop-up, ouais. et, euh, et en fait, bah, comme tout enfant, on cherche désespérément la reconnaissance et l'amour de sa mère. Et quand j'ai compris que ce n'était pas le cas, mais je pense que tout ça, c'était très inconscient. Pardon, euh, je veux, je veux bien une pause en fait. Pas, pas je m'attendais pas, pas du tout à non, ça. Pas de Pardon, je Non non non. Je me suis permis, ah hein, non, parce au contraire, que, euh, mais au tu, contraire. Tu, tu on tout mot, va on bien, tout va bien. Au contraire, au contraire. Ouais. Euh, au contraire, je... Au contraire, c'est OK. C'est très bien, je pense. Euh... Est-ce qu'on peut laisser ça ou est-ce que tu voudras qu'on coupe ce passage-là ah, Tu peux garder tout ce que tu veux. Bon, bon d'accord. Okay, vraiment. Okay. C'est pour ça que je précise bien qu on, on non, est comme que. Non, c'est juste que c'est pas euh, très pratique si je commence à trembler dans la voix, les gens vont rien comprendre. Non, 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 mais si. <laughs> et puis encore une fois, merci d'être authentique et merci d'être 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 ce que tu es et de le dire. En tout cas, d'accepter de, de te livrer comme ça. Je sais que c'est pas simple et je me suis vraiment posé la question. Mais comme c'était écrit dans la préparation de l'émission. C'était permis. C'était écrit, donc dit, On peut se permettre d'aller jusque là. Non, Donc, rigolo, effectivement, tu cherches le regard, euh, l'attention particulière euh, chez ta, ta maman, pour le coup Alors, étant mère aujourd'hui, je pense ouais. que nos enfants, vraiment. Euh, bon, déjà, euh, je, 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 crois, euh, je crois vraiment. Euh, J'ai vraiment la conviction qu'on choisit là où on est. Mmh. Donc, je ne suis pas venue là par hasard dans, ouais. dans ma famille, de la même façon que mon fils n'est pas arrivé euh, par hasard euh, dans ma vie. Euh, mon fils, quand je dis ça, et, et moi. C'est dans tout ce qu'on est. Il me renvoie des choses. Okay. Et je pense, et c'est grâce à lui, bien sûr, que j'ai compris tout ça, je pense que je renvoyais des choses qui étaient trop douloureuses à ma, à, à ma mère okay. et qui, euh, derrière, n'étaient euh, pas gérables, en fait, puisque elle n'était pas outillée comme moi je le suis. Quand mon, quand mon fils me renvoie des choses sur moi, je suis en capacité de les accueillir et de les comprendre, de les interpréter. C'est la quête perpétuelle de tiens. Euh, Comment comprendre tout ça Qu'est-ce qui résonne en moi Qu'est-ce que j'en fais co comment, je peux, euh, comment je peux les mettre au service de euh, mon évolution euh, positive Ma mère, clairement, elle n'avait pas tout ça parce que voilà, elle est issue d'une famille très pauvre. Euh, ils étaient sept enfants. Elle a sué plein de décès. Son, son grand père qui est mort quand elle était petite. Enfin voilà, des, des choses qui sont, qui sont très lourdes et très compliquées. Dans sa famille, il bah, y avait des chouchous et elle n'en faisait pas du tout partie. Donc pour elle, ça a été compliqué. Et moi, j'arrive au monde, je suis une fille, puis j'ai j'ai plein de facilités qu'elle n'a pas eues, euh, bah, financières, hein, oui. d'être dans un dans une famille qui, euh, qui a des sous pour m'envoyer à l'école, qui a des sous pour mettre à manger dans le frigo. Enfin, on en est là quand même à des choses qui sont très sommaires finalement. Et, euh, et moi, je vais bien, je me construis de façon équilibrée et je suis toute petite. Hein, mais ça, dans euh, un monde qui te semble normal. Et oui, et avec voilà, euh, de l'amour, de oui, l'attention, de... voilà toutes ces choses-là. Et en fait, je pense que ça a révélé en elle. Tout ce qu'elle n'avait pas eu. Okay. Et son enfant intérieur, en fait, a été confronté à mon enfant intérieur. Mmh. Et pour elle, c'était pas gérable. Mmh. Et il y a la jalousie qui est, qui est née, je l'ai compris bien sûr plus tard. Mais moi, je vivais ça comme, comme quelque chose de terrible. En fait, je cherchais l'attention de ma mère et je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Quoi. Et j'étais en compétition avec ma mère. Mmh. Ma vie était en compétition avec celle qu'elle aurait voulu avoir, en fait. Mmh. Et qu'elle n'avait pas eu. Donc, euh, voilà, bien sûr, ça a, été, euh, ça a été très compliqué. Avec mon tempérament, bah, je suis rentrée un peu en guerre avec elle, quoi. Mmh. Alors, Alors, consciemment, à, je pense. Jusque-là, on pourrait très bien se dire, bon, bah ok, euh, il voilà, y a une relation un peu tendue, conflictuelle avec sa maman, mais il y a quand même ton frère, il y a quand même ton père, il y a quand même, euh, etc., etc. Sauf que euh, ça se dégrade encore plus. Bah, mon père a le syndrome du sauveur. Donc du coup, il a choisi ma mère parce qu'elle était ce qu'elle était. Et il s'est rallié à sa cause, en fait. Et moi j'ai vraiment eu à un moment donné l'impression que toute ma famille était contre moi. Et c'était le cas, en fait. Ils m'ont pris et ils m'ont dit, bah écoute, on ne sait pas comment faire avec toi, on ne sait pas te gérer, donc euh, bah, tu pars. Ils te, mettent dans, ils te placent dans une famille d'accueil. Ouais. Et là, moi j'ai bloqué là. Ah, ouais. <laughs> ah ben quand je suis arrivée, moi les gens ils comprenaient pas. quoi. Mais qu'est-ce que tu fais là euh... Tes parents t'ont tabassé, euh, je sais pas, il y a un de deux parents qui est mort. Enfin, je rentrais dans aucune case quoi. Mon histoire rentrait dans aucune case. Et c'est en voyant la réaction des gens que j'ai compris que c'était pas normal que je sois là quoi. Bon. J'étais un problème et il fallait, euh, puisqu'on n'a pas d'outils pour le résoudre, et eh ben, eh ben, on le sort. Bon, combien de temps tu restes dans cette famille d'accueil euh, Un an. Et après, je suis placée en foyer puisque de toute façon, je ne retournerai jamais chez moi. Ce que, ça, c'est quand même une histoire absolument <laughs> incroyable. Euh, tu te construis comment L'ado, tu dis euh, profondément malheureuse, en colère Ouais. ouais. ouais quand j'étais dans ma famille d'accueil, euh, je détestais les gens. Vraiment, vraiment. De toute façon, j'étais dans un monde où on m'avait rejetée, donc euh, je... Ouais, c'était évidemment compliqué. Alors, et, et à quel qu qu'est-ce qu que tu as comme échappatoire alors à ce moment-là Parce euh... que tu as été ado, tu as 16 ans euh, Qu'est-ce qui, qu qui te comble Qu'est-ce qui te permet de compenser euh, ce mal-être de l'époque Je pense que j'ai beaucoup de chance dans la vie et que je rencontre euh, vraiment souvent des anges qui viennent, euh, hop, traverser ma route ouais. et déposer des cadeaux. Et, et je ne sais pas pourquoi, ben je les saisis et, et je m'en saisis et j'en fais quelque chose. Okay. Donc, j'avais un ex-petit copain à l'époque que je ne sais pas pourquoi, j'avais revu, qui était beaucoup plus âgé que moi en plus. Euh, on n'était pas du tout dans une, dans, à cette époque-là dans une relation euh, de séduction, c'était plus ça qui se jouait. On était amis. Et là, il me parle de Dieu et il me dit voilà. Et puis c'était pas vraiment pas la personne <laughs> sur qui j'aurais misé pour la, pour la religion quoi, ouais. se tourner vers Dieu. Ouais. Et il me dit voilà, je crois en Dieu. Et puis il me raconte ce que ça lui a apporté, tout ça. Sa maman était tombée malade. Bon bref, il est sorti de son addiction. Euh, euh, par rapport à la sexualité aux femmes et tout ça donc il y avait un truc qui se jouait et on échange je l'écoute je bois ses paroles et puis je rentre avec ça je retourne me coucher dans mon espèce de neuf mètres carrés dans mon placard dans ma famille d'accueil et puis là je sais pas je regarde le plafond et je me dis mais mais c'est quoi cette nouvelle réalité dans laquelle éventuellement Dieu existerait quoi donc, je pose la question, comme il me l'avait dit, je fais Mais Dieu, es-tu là Et là, il y a un espèce de truc qui se, qui, qui, qui se joue en moi, qui, qui se déclenche, comme une brèche, un, un espèce de barrage qui se pète. Et, et je sens vraiment mon cœur qui se réouvre, quoi. Un truc trop bizarre. Vraiment, je m'en je souviens parce que c'était dans les sensations, quoi. C'était vraiment dans le corps. Et, euh, et à partir de là, chaque jour, je, me, je disais vraiment, comme il m'avait conseillé d'ailleurs, Dieu. Viens dans ma vie et mets de la lumière parce que là c'est plus possible c'est trop sombre je, je vais mourir en fait je ne sais plus ce que je fais sur terre tout est sombre je déteste les gens j'ai vraiment je, je ne les supporte plus ils, ils m'exaspèrent je les trouve pathétiques triste triste à souhait enfin voilà il y a vraiment un truc qui va pas en moi c'est très noir au point de vouloir en finir non c'était pas à cette époque-là. C'était pas C'était ouais, les... plus jeune. Ah c'était plus jeune euh... encore. Ah, d'accord okay, d'accord bon on n'y revient pas ok. okay <laughs> mais okay. ça c'est en moi quand même. Hein. Okay, okay. Et euh, mais là j'avais pas de souffrance en fait j'avais juste de la colère. La souffrance était pas intense. D'accord. Les, les les envies de suicide c'est plus dans des émotions intenses euh, que ça se joue. L'élan euh, de sauver sa peau. Euh en nous mettant face à vie, c'est très bizarre, hein. c'est très paradoxal. Mais donc euh, donc voilà, à partir de là, euh, j'ai vraiment été... Euh... Donc c'était presque un refuge Ouais. Ce, hein, ce, ah ben la ce... religion ça a été un refuge. Et puis vraiment, euh, quand on me demandait, euh, tu crois en Dieu, tu crois en quel Dieu J'étais là, bah, en fait, je m'en fait, fous. Peu importe. Mm. Pour moi, Dieu, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est ce dont j'ai besoin. Et puis plus tard, je comprendrai qu'en fait c'était moi. C'était vraiment le refuge dans lequel... Euh, j'avais cette, euh, cette entité euh, que je visualisais à l'époque comme un grand-père très protecteur qui, mmh. qui me disait Ouais, mais moi je suis fier de toi, t'inquiète pas, tes parents, bon, machin, mais... mais moi je suis fier de toi. Et puis là, t'as vu ce que tu as fait, c'est chouette vraiment, tu, tu, peux, tu peux être, être fier de toi aussi. Puis ça m'a construit, en fait, ça m'a vraiment aidé à me construire seule avec cette euh, cette croyance-là. C'est une bulle, ouais. dans ta petite bulle, dans ce cocon ouais. euh, qui est protecteur. Mmh et que tu as toujours recherché, évidemment, cette protection, et ce que tu ressens, qui est presque... Euh, qui a une dimension d'amour. Oui. Hein d'amour, de compréhension. De en compréhension, fait, il me donnait ouais. tout ce, que, ah là, tout ça, ce dont incroyable. je manquais. C'est beau, c'est beau, beau. beau. Et aujourd'hui, je souhaite à quiconque de, de vivre ça en mmh. ayant conscience que, que mmh. ça, c'est lui-même, en fait. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, tu comprends qu'il mmh. fallait effectivement passer par là. ouais Hein, ah ben pour partout d'ailleurs. Pour arriver partout. Ouais, par, partout, ce dont je suis passée, euh, ce par quoi je suis passée vraiment. Euh. 2016 Alors 2016, euh, 2016. Août 2016. Ouais, donc août 2016. Euh, C'est le départ de ta maman. Je, 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 fais, une mission je fais une mission humanitaire euh, au Cambodge. Je pars toute seule, je m'étais un peu disputée avec mon conjoint. Donc euh, je fais, ouais, j ai, j ai, voilà, j'ai 30 ans. À la fin de l'année, euh, non, bah, je viens d'avoir 30 ans, ça veut dire quelque chose. Euh, je sens que c'est un palier et, euh, et, et j'ai besoin de me prendre une claque dans la figure et je, je formule l'intention, hein. <laughs> c'est ça qui est drôle entre guillemets. Donc je dis voilà, euh, j'ai besoin de me prendre une claque. À 25 ans, je suis partie faire un voyage en Inde pendant un mois dans l'idée de, de bah, de, bah, pareil, hein, de me prendre une claque et de me recentrer et de comprendre. Euh qu'est-ce que c'était le bonheur, et que c'était accessible. Ou qui tu étais, tout simplement. Oui, hum. je pense aussi. Hum. Et donc là, euh, avec la même intention, je me dis, bon ben voilà, 25, 30, euh, je, je pars faire ce, ce voyage humanitaire au Cambodge, et euh, je pense que je vais me prendre une claque, et puis ça va être chouette, ça va me réveiller. quoi. Et à trois jours, trois jours de mon arrivée, euh, le troisième jour, en fait, j'ai mon conjoint qui, qui m'envoie un SMS, parce que, enfin, sur WhatsApp, là, il me contacte sur WhatsApp, parce qu'il n'arrive pas à m'appeler, je suis, voilà, je suis avec la Wi-Fi de l'hôtel. La guesthouse, et, euh, et en fait, il m'apprend qu'il que s'est passé quelque chose et qu'il faut, il faut qu'il m'appelle. Mmh. Donc là, j'envisage le pire, je ne comprends pas tout de suite. Mais euh, moi, j'ai un scénariste dans ma tête, c'est Spielberg, hein, clairement. Donc là, il est là, ouais, vite, je prends l'avion. Donc il me dit, il s'est passé un truc avec ta mère, elle a fait une chute d'une crête. Donc là, j'ai ça, puis bam, la connexion euh, s'arrête. Donc là, je suis comme ça, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe donc euh, je me vois vite mes bagages, je prends l'avion, hop j'arrive, je me jette dans la, dans la chambre d'hôpital et puis je me jette sur le lit et, 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 et elle est là avec des tuyaux partout et je lui dis maman pars pas accroche-toi et puis la seconde d'après en fait il me dit ben non en fait elle est morte donc là c'est waouh c'est euh... en fait c'est irréel à ce moment là c'est irréel parce que parce que déjà ce qui était envisagé était Insupportable pour le cerveau, clairement, mais là, en fait, c'est la fin avant la fin, quoi. <laughs> c'est mmh. la succession de pam, de pam, pam, c'est fini, c'est wop. Et, euh, et là, je, je, je m'effondre littéralement. Hein. Je, en fait, je suis partie, je suis seule, donc je suis dans une guest house où les gens ne parlent pas français, ils parlent un peu anglais, il n'y a personne. Je me rappelle, c'est 8 heures du soir. Et je suis là, mais euh, en fait, le cerveau, il est grillé, quoi. Je. Je sais pas quoi faire quoi. Mmh, mmh. Je, je je sais même pas comment je vais rentrer chez moi ou c'est que je vais trouver la force quoi. Mmh. Et en fait euh... et en fait il est trouvé quoi. Ouais, c'est ça. <laughs> bon. C'est ça qui est dingue. Euh, donc tu rentres. J'aurais beaucoup pleuré dans cette émission. Bah, je oui, m'attendais oui, pas du tout à moi soi. Moi donc pre Prenez des racontes sur le bonheur. Ce n'était pas, <laughs> pas le but hein, évidemment, mais euh, <laughs> c'est aussi je trouve que c'est ok. Oui et en même temps. Euh... Je trouve que c'est beau ce que tu offres là et ce que tu, permets de, 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 ce que tu nous permets de voir. Euh, et je vais demander d'ailleurs à Mo, qui réalise l'émission, de bien vouloir juste se lever deux petites secondes pour apporter des, des, des mouchoirs. Des mouchoirs. <laughs> voilà, à, à, à Marion. S'il te plaît. Voilà, il n'y a pas de souci. On fait ça et on, on laisse évidemment tourner. Euh, voilà, voilà. Viens, Mo, viens, viens, rentre dans le champ, c'est pas Ouh. grave. Allez, viens, viens, viens. Voilà, merci. <laughs> merci. Voilà, ouais, bah, va peut-être falloir penser à un médecin. Parce que, euh, voilà. voilà, chez la thérapeute, il y a ça. <laughs> c'est un peu caché, hein si tu veux. Tu, toi, tu le vois. On n'en parle pas trop, c'est ouais. là, puis ton œil l'a vu, ouais. si, si, si besoin. La question qu'on se pose quand tu, quand tu évoques ça, et on voit les, 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 les réactions que tu as, évidemment, parfaitement légitimes, on pourrait se poser cette question, et pardon, je te la pose, mais est-ce que tu as fait la paix avec ça <laughs> mais Oui, en plus, c'est ça qui est incroyable. Euh, totalement. Totalement, et même chacune des étapes. La violence d'avoir été seule là-bas, mmh. euh, la colère contre la raison qui m'a poussée à faire euh, cette... Euh... Cette mission humanitaire, hein, mmh. euh, parce que je l'ai dit brièvement, mais voilà, je m'étais disputée avec mon conjoint, donc euh, c'est ça qui m'a poussée à partir faire cette mission humanitaire, euh, comme ça, décider à 4h du matin, j'écris à, à, à une ONG pour ça, comme par hasard, une place qui se libère pour un drame. Puis me voilà partie, quoi, mmh, mmh. parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, clairement, mmh. et en fait, euh, j'ai pu tout analyser. Euh, Bon, voilà, ça fait huit ans aujourd'hui. Euh, ouais. J'ai pu tout analyser depuis et, et, et comprendre et voir ce qui s'était joué en me disant punaise, mais c'est dingue, quoi Parce qu'en fait, euh, j'étais très en colère d'avoir été là-bas à, à ce moment-là. Mm. J'aurais été en France, ça n'aurait rien changé. Hein. Mm. Elle serait morte quand même, mm. parce qu'elle a fait une chute d'une montagne en fait euh, en faisant une randonnée avec mon père dans un endroit absolument magnifique en plus. Donc c'est merci pour ça d'ailleurs. Mm. Cet endroit est dingue. C'est un, un lac en forme de cœur. Elle était partie parce que mes parents sont photographes. Elle était partie faire une photo de ce lac en forme de cœur. Ça, je veux dire, c'est mmh. la symbolique est tellement magnifique. Elle est décédée par accident, sans souffrance, on croit, on ne sait pas trop exactement, mmh. mais mmh. Euh, et, et voilà, elle faisait quelque chose qu'elle aimait, quoi. Ouais. Et, et euh, moi, j'étais très en colère parce que voilà, j'étais coincée là-bas, puis le retour, ça a été terrible. Je veux dire, 24 heures de transit avec Bien deux sûr. avions, l'aéroport, les gens qui te regardent, qui. C'est malaisant de voir quelqu'un qui est en souffrance, en fait. Donc c'est mieux, comme le SDF qu'on voit euh, depuis des années euh, faire la manche en bas de sa rue ou en bas de son immeuble, on préfère regarder ailleurs, en fait. Mmh, ça nous met mmh. mal à l'aise. Mmh. Moi, je ne regarderai plus jamais ailleurs, ça c'est clair. Quand tu reviens en France, euh, on passe évidemment euh, la situation. Mais euh, comment qu'est-ce qu que tu vas faire Qu'est-ce que tu fais eh bien, je. Tu veux dire euh, concrètement quand bah, j'ai oui. atterri en non, France. Non, 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 non. Ah. On, on, on peut okay. passer l'épisode et on peut comprendre effectivement tout ce qui se passe après. Mais qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu fais dans la vie à ce moment-là, euh, quelques temps après, quelques semaines, quelques mois après avoir okay. vécu cette expérience-là Alors, bah, à l'époque, j'étais assistante de direction, euh, assistante polyvalente pour une dame, euh, bah, une amie en fait depuis, <laughs> euh, qui, euh, qui travaillait dans les euh, relations humaines. Mmh développer les entreprises, euh, initiatrice d'idées, euh, créative et tout ça. Donc, tombé. enfin, elle était là et c'était merveilleux qu'on travaille ensemble à ce moment-là. Donc, je me suis noyée dans le travail en ouais. revenant. Et puis, ça a pété, hein, parce que ça pète toujours. Mais j'ai quand même tenu jusqu'à jusqu'au mois de juin. En fait, elle est décédée en août et j'ai tenu jusqu'au mois de juin. Bon, au mois de juin, j'avais un vide comme ça mmh. <laughs> parce que je suis tombée enceinte euh, cinq mois après. Et, euh, et en fait, voilà, l'idée, effectivement, c'était, euh, c'était la résilience, quoi. Mmh. Qu à quel moment l'écriture entre dans ta vie Ouh, ça, ça me brûlait les doigts, hein. ça me brûlait les doigts de me dire, il va falloir que je l'écrive pour le sortir. Et eh oui. Et je l'ai sorti, euh, je sorti fin 2019. C'était la première volonté, ça, l'exutoire. C'était vraiment évacuer un peu ce, ce parfois ce trop plein qu'on peut imaginer, ou c'était vraiment le désir d'écrire parce que euh, c'était en toi. Je savais que je l'écrirais parce que j'avais déjà écrit euh, les, deux premiers les deux premiers titres. Donc je savais que ça me libérerait par l'écriture, mais c'était pas le bon moment. Okay. En fait, la violence de l'impact, comme ça, quand on subit un trauma, la conséquence première, c'est que vraiment, on, on perd une partie de son cerveau. quoi Vraiment, c'est tellement. Il y, y a des gens qui développent de l'épilepsie face à des, des, des événements comme ça, euh, hyper violents dans le corps, en fait. Et euh, du coup, le processus de deuil, il est d'autant plus violent que c'est un choc. Donc, c'est pas j'accompagne quelqu'un en fin de vie qui a un cancer. Hein. Euh, mm -hmm. Ça, c'est un processus qui est complètement différent. Là, c'est vraiment, euh, c'est la brutalité des faits, l'instantanéité ah ouais. des faits. Ah ben, mmh. je, je n'étais plus la même personne. Hein. Mmh. Je, je rentrais dans une pièce, je savais plus qu'est-ce qui m'avait emmenée là. Je travaillais encore donc jusqu'en juin avec Émilie, mais je, je ne pouvais plus démarcher des clients parce que je ne pouvais pas prendre le téléphone et appeler mmh. quelqu'un. Mmh. Je, je ne savais plus aligner deux mots. Il y a un blackout. quoi. Ah vraiment, vraiment, mmh. je n'étais plus la même personne. quoi Alors, ce qui est étonnant, Marion, c'est que quand on t'entend parler, quand on voit aujourd'hui ce que tu écris et, et, tu, et la thématique que tu abordes, la thérapie par le rire. On se dit, Waouh avec ce parcours de vie, à Elles quel moment... Non, mais à quel moment tu ris, quoi. À quel moment tu te rends compte, euh, alors que tu as un sourire radieux et tu te dis, bon, alors, euh, quand est-ce que, est que ça arrive dans ta vie quand -ce que tu... C'est pour ça que je t'ai posé la question de savoir quand l'écriture arrive et quand l'écriture, sous cet angle de la thérapie du rire, arrive. Bah, elle a toujours été là, en fait. Quand j'étais petite, j'étais un clown. Tous ceux qui, parce que je suis toujours en contact avec ma nounou, mmh. <laughs> et quand elle raconte la personne que j'étais, l'enfant que j'étais, c'était vraiment, euh, j'étais, j'étais un pitre quoi. Je rentrais dans une salle, j'avais trois ans, et puis euh, j'allais saluer tout le monde en serrant la main. Hey, coucou, comment tu t'appelles enfin, mmh. voilà, il y a des personnalités. Euh, tu, tu, C'est depuis le départ quoi. Si mmh. tu es attentif et qu'il y a éventuellement euh, un, un environnement qui le permet, ça s'exprime quoi. Ça s'exprime parce que c'est plus fort que, que, que tout, en fait. Et j'ai toujours été comme ça. Et puis même, euh, même, euh, <laughs> même la semaine précédant l'enterrement de ma mère, j'ai eu des fous rires, quoi. J'ai eu des fous rires parce qu'encore une fois, l'émotion de, de la douleur et de la colère et celle de, 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 du fou rire, c'est très proche, quoi. Mm. Et après, le scénariste intérieur, Spielberg, que je sois en dépression, que je sois en colère, que je sois que je sois dans la joie et tout ça, il est toujours là, lui. Mm. Et donc, il m'a en scénario des trucs, euh, genre improbables. Enfin, je veux dire, euh, j'ai donné à mon père du Xanax parce que moi-même, euh, les, 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 euh, les, les organisateurs de l'ONG, la mission humanitaire, je les ai donc euh, vus quelques temps. Ils m'ont guidé. En fait, je suis arrivée euh, le jeudi et j'ai pris l'avion le lundi matin, puisqu'elle est décédée dimanche matin. Et eux, ils m'ont accompagné le lundi matin. Ils m'ont aidé parce qu'ils étaient arrivés le samedi. Ils m'ont filé du Xanax. Je ne suis vraiment pas pour les médicaments, mais là, j'ai fait, ok, vraiment. Là, je pense que s'il y a un moment qui justifie la prise de médoc, c'est là. Et il m'en restait, donc j'ai donné, j'en ai donné, ai donné un à mon père, et mon père était défoncé, quoi. Mmh. Et, euh, et, et en fait, c'était trop drôle, quoi. Enfin, il était, ah, mais qu'est-ce que t'as fait Tu m'as drogué mmh. Il pleurait. Enfin, on était à la maison, on jardinait pour préparer mmh. la maison avant l'enterrement. Mmh. Et, euh, et cette scène-là où il perd l'équilibre et qui tombe alors qu'il est en train de passer le rotophile en botte et presque en slip. Enfin, c'était. Euh, euh... Aujourd'hui, avec le recul, c'est drôle. Mais même bien sur sûr. le moment. Bien Franchement, sûr. même sur le moment, on en bien a sûr. ri. Quoi, mais euh... Alors justement, cette thématique de la thérapie par le rire, Marion, euh, euh, est-ce qu'elle vient J'ai le sentiment parfois qu'elle elle vient. Tu, ton expertise et ton ciblage d'auteur vient parce qu'on te, on te dit que ce que tu écris est drôle et fait du bien ouais. Ça, hein. en fait tout ça, c'est pas arrivé dès les premiers livres. Hein. C'est ce que j'allais dire. Et puis hein. cette aisance, <laughs> mmh. la légitimité, elle n'était pas du tout là. Hein. Clairement, elle a dû apparaître autour, aux alentours du cinquième livre, ouais. donc, euh, qui est donc celui sur euh, le décès de ma maman. Ouais. Donc en 2020, mars 2020. Pour la petite histoire, euh, toi t'as lancé l'émission en juin 2020, mmh, mmh, moi mmh. c'était en mars, juste avant que la planète décide de s'arrêter mmh. de tourner, hein, clairement. Donc ça aussi c'est presque drôle, ou alors on peut se dire, oh là là, quel calvaire, non, moi je décide mmh. d'en rire en me disant, eh, punaise, l'univers est farceur quand même. La vie est farceuse. Mais euh, oui, en fait, j'ai perdu le fil de la question. Non, la oui, question... non, pardon, la... la cohérence, la cohérence la... de la thérapie par le rire. Oui. C'est ça, c'est les retours des gens. Qui m'ont mâché le travail en fait. Ils me disaient, oh là là, et puis c'est pas une personne, tu te dis une personne, ok, c'est chouette, oui. puis quand tu Ou commences à en avoir une dizaine. Ou c'est poli. Bah là, c'était pas. Enfin, euh, la phrase typique, c'est euh, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mm -hmm. Donc on n'est pas sur de la politesse, on est sur une blague quand même. Et moi, mm -hmm. ça me faisait rire. Mm -hmm. et, euh, et, et là, quand tu vois que c'est des personnes qui se connaissent pas du tout et qu'il y en a plein qui sortent ça, <coughs> tu te dis quand ah, même, y a un créneau. ça fait du bien. Il y a un truc à faire. C'est que ça fait du bien. Ouais, ouais. Donc je, le, le, le thème. enfin le mot thérapie par le rire vient. Et rire, enfin thérapie, roman thérapeutique, et le rire vient dessus parce que c'est pareil. Ah ouais, j'ai fait me faire pipi dessus en lisant tes livres, mais qu'est-ce que j'ai ri Dans le métro, les gens me regardaient, j'arrivais pas à m'arrêter, je passais pour une folle. J'ai arrêté de lire parce qu'il est 2h du matin et que j'allais réveiller tout le monde. Enfin, des trucs comme ça, je me suis dit, bon, ok, c'est cool, je fais rire les gens. Ouais. Et je crois que c'est ça, pour moi, le premier objectif. Non seulement c'est le premier objectif, et c'était aussi. Euh, l'essence de la petite Marion. Ouais. Tu es né avec ça, tu as ouais. grandi avec ça. Enfin, je veux dire, tu as grandi avec ça, mais la première partie de vie, le clown, ouais. il est dans tes livres. C'est ça. Et ce personnage, il est évidemment euh, dans tes livres. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, ce que j'ai compris, c'est que les choses qu'on vit, les choses qu'on traverse, il y a, on va dire, j'ai pas le chiffre, le pourcentage, mais on va dire, allez, il y a les deux tiers ou la moitié qui sont des choses qu'on ne maîtrise pas, que la vie nous envoie. Après on peut dire l'attraction, machin, truc. Il y a des choses qui nous tombent dessus et qu'on n'a pas choisi. Par contre, là où est notre force et là où on a notre rôle à jouer, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et ces clés, on les a en nous, en fait. Et moi j'ai décidé, <laughs> parce que c'était parce que euh, le moins douloureux, parce que c'était le plus sympa, le plus ludique, le plus fun, d'en faire quelque chose de drôle. Parce que ouais, c'est drôle quand je me casse la figure dans la rue et que je me chine en honte. Ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire, mais ça pourrait aussi me tétaniser en me disant Oh là là, la honte, je passe vraiment pour une con. Ouais, mais c'est pas grave dans le corps. Sauf que ça n'est pas une situation dramatique. En plus. Mais dans une situation dramatique, comme clairement l'exemple de ma mère est morte, ouais. je vais quand même. Trouver l'angle ouais. qui permet de. Éventuellement d'en sourire. Peut-être pas d'en rire, mais éventuellement d'en sourire ou de dédramatiser la situation Dédramatiser, mmh. d'en sourire, d'arriver à dire merci. Mmh. Merci maman, parce que franchement, mais tous les cadeaux que j'ai reçus, des, des cadeaux mal emballés, ça c'est clair. Mmh. Tous les cadeaux que j'ai reçus avec sa mort, mais c est, c est, c est, c est, je veux dire, ça m'a... Ça m'a mené jusqu'à ma rencontre. Je me suis retrouvée... Grâce à sa mort en fait, okay. c'est horrible hein, de le dire comme ça. Et puis, si j'avais une baguette magique, si j'avais une baguette magique, soyons clairs, je voudrais maman, je voudrais que ça ait déclenché quand même le, euh, la grossesse avec mon enfant qui est merveilleux. Je voudrais la CNV parce que je, tout ça, c'est avec ma mère, la PNL pour surmonter le trauma. Je voudrais faire la formation, mais c'est pas possible. Et puis la vie, ça marche pas comme ça. Donc mmh. je vais focaliser sur le côté positif de tout ça en essayant d'occulter euh... le manque. Le manque. Oui, Remercier la vie pour tout ce qu'on a eu sur ces 30 années. Euh, mmh. J'aurais pu... En fait, je me dis, allez, on va regarder le verre à moitié plein, quoi, parce que à moitié vide, ça fait pas du bien. Et l'eau, elle est au même niveau, hein. Mais euh, mmh, mmh. je vais aller du côté où c'est plus agréable. Mmh. Donc, tu écris. Tu écris, euh, tu te l'exutoire, je suis convaincu qu'il est là. Ah bah c'est sûr. Euh, c'est vraiment une manière de. C'est libérateur. Ouais, c'est libérateur. Juste un petit mot. Alors, on va... je vais demander un mot qui remet face à un, un gros plan. Tu peux nous présenter euh, euh, oui. thème par thème rapidement euh, de quoi il s'agit. On commence par la gauche. Alors, euh, le premier. Donc, je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté. Euh, Celui-là, c'est sur la construction identitaire par rapport à la relation familiale. Pourquoi ce titre qui interpelle beaucoup et ça depuis sa sortie? En fait, euh, je l'ai compris encore une fois plus tard, c'est la blessure d'abandon. Okay. Je provoque inconsciemment ce que je, re, ce que je redoute le plus pour avoir l'impression de garder le contrôle sur ma vie. Hein. Mais j'ai tellement peur qu'on me quitte que voilà, j'en viens à quitter l'autre okay. parce qu'en en fait inconsciemment, j'estime que je suis pas assez bien pour être aimée. Et en fait, dans celui-là, on comprend vraiment que les relations qu'on a avec les autres, c'est le reflet de celles qu'on a avec nous-mêmes. Le deuxième, la bombe humaine, c'est moi. Euh, N'allez pas vous tromper avec... Euh, oui. La couverture et le titre, en fait, c'est les bombes qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, on se balade comme ça, voilà, avec ce sourire euh, qui, qui a l'air de, 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 de refléter tout un tas de choses euh, joyeuses. Bah Pas tant, en fait. C'est peut-être le contraste avec euh, de la noirceur qu'on a en nous, parce qu'on est cette ambivalence-là aussi. Et puis, moi, je suis cette personne, j'adore la vie, j'adore la joie, mais voilà, je, quand je suis joyeuse, je suis ici, mais par contre, quand je suis très mal, c'est vraiment ça va. Ouais. Voilà. Et la bombe humaine, c'est moi, c'est comprendre cette ambivalence qu'on a en nous et ne pas se fier aux apparences et comprendre aussi que, parce que dans celui-là, la, la jeune fille, elle est très en colère, elle n'arrive pas à être heureuse et ça pète. Elle n'arrive pas à être heureuse parce qu'en fait, elle fait des choix pas pour les bonnes raisons. Elle fait des choix pour faire plaisir à son entourage, pour euh, correspondre à des dictâtres, rentrer dans des cases. Et en fait, voilà, elle explose parce qu'elle sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc elle va mettre le doigt là-dessus ça m'agace, donc c'est le voyage en Inde quand j'ai 25 ans, mmh. euh, comprendre, donc c'est sur la gratitude et le bonheur, comprendre en fait que le bonheur, bah, c'est un choix. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est le scénariste de sa vie, et qu'en fait, il n'appartient qu'à nous de faire de notre, de notre vie, de, 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 de tout le chemin jusqu'à aujourd'hui, une raison pour être heureuse, un prétexte, pour, une opportunité d'être heureuse, ou un prétexte, un prétexte je ne vais pas réussir à le dire ce un prétexte pour être malheureuse. Soit tu es la victime de ta vie, soit tu es, es le warrior qui va arriver à en faire un truc, un truc lumineux, un truc joyeux. Donc, ensuite, on a le regard que tu poses sur moi. Alors, celui-là, je pars m'installer au Canada. D'ailleurs, c'est cette année-là que j'ai écrit mon premier livre. Et je comprends qu'il existe plusieurs versions de moi. Et que euh, là-bas, sur une page blanche, des gens me décrivent comme quelqu'un de génial, euh, de super sympa, de très intelligent, joyeux. Alors qu'en France, je n'étais pas du tout que... <laughs> catalogué dans cette Pas du tout, genre l'électron libre, euh, ouais, on ouais. peut rien te dire, tu es tout le temps en colère. Ouais, bon, ouais. C'est bizarre, je suis qui finalement Ceci dit, Et on là... a le sentiment quand même, là, on ne se connaît pas, mais de prime abord, comme ça, on a le sentiment qu'il ne va... Il doit pas falloir trop, 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 trop te chercher quand même. Ah ouais. Tu as ce tempérament explosif quand même. Ça hein, qui c'est. Franchement, non ça dépend qui c'est en face de moi. Ouais, bon, c'est injuste, mais je garde, <laughs> je garde <laughs> euh, la, la grenade pour euh, mon ouais. cercle privé. Ouais, 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 en général, j'ai une, une tolérance et une patience euh, bah, à, à toute épreuve pour les gens que je ne connais pas. Je mets beaucoup d'amour et, et de, de, ouais, de tolérance et de patience avec les gens que je ne connais pas. Mais alors avec mes proches, euh, ouais. eux, les pauvres. C'est rock and roll. Donc après le Canada. Donc là, voilà, c'est sur les relations toxiques et comprendre qu'on on réagit en fonction de notre entourage et de ce, qui, ce que nous renvoie la personne qu'en face de nous. Et donc, après le Canada, mars 2021, j'ai écrit euh, Les banalités extraordinaires, parce que la mort, c'est banal, mais que la première fois que ça te tombe vraiment, et je parle d'une du, perte significative, tu vois, ça peut être un oncle, hein, on est d'accord, mais des fois, voilà, il y a des deuils qui sont. Un grand-père ou un copain d'école. Il y a des choses qui nous marquent, mais il y a des choses qui nous marquent. Tu vas me parler de pardon, ton prénom. Mmh. <laughs> mais... mais je vois bien, je vois bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vraiment celui que j'ai ressenti pour toi en arrivant. Donc là, je vois le signe qui me rappelle. Et celui-là, voilà. Celui que tu ressens pour moi ouais. Sympa. Bah, pourquoi Sympa. Le oh. deuil je sais pas, je connais pas ton histoire. Ah oui, non mais d'accord, bon d'accord, non mais ça n'a rien à voir. Rassure-moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Reste avec. encore ce un peu pas de pas... temps. Ah non Ah bon, pardon. Non, une, oh. blessure, euh, une ah, blessure, une blessure. Ouais. Ah oui, bien sûr. Voilà. Évidemment. Voilà. Oui, c'est ce que je ressens. C'est pas mmh. avec les yeux, c'est avec la vibration mmh. et le cœur. Mmh. C'est ce que j'ai ressenti. Et là, les signes me disent, ouais, Marc, C'est bizarre que, <laughs> que j'ai marqué ce mot, que j'ai utilisé ce mot. Et donc, donc, ok, tu confirmes. Bien et donc, je suis là, voilà. Donc, les banalités extraordinaires, c'est parce que mon père était vraiment. Ce titre le mettait inconfortable. « Oh, les banalités !» Je fais « Ouais, mais la mort, ça fait partie de la vie, papa. C'est une banalité, quelqu'un qui meurt. C'est une banalité. Mais quand ça te tombe sur le coin de la figure, c'est extraordinaire. Pas dans le sens « Wouhou !» Dans le sens « Wouhou !» Genre wow! « C'est quoi ce truc qui me tombe dessus Voilà, c'est en parallèle de, de ce qui est ordinaire, banal. Et euh, celui-là, il est sur la résilience et le deuil. Et dans celui-ci, euh, l'idée, c'est de comprendre que derrière chaque tragédie, que ce soit un décès, un... Un divorce, hein, un, un échec, hein, la maison qui brûle, un licenciement, ben se cache, euh, si on le décide, avec notre scénariste intérieur. Quelque chose euh, destiné à nous faire grandir et à nous, mmh. faire, euh, à nous faire avancer, à nous enrichir. Mais celui-là, il parle aussi, et j'ai compris que les deux venaient ensemble, il parle aussi du pardon, du pardon inconditionnel. Parce qu'on est des êtres qui nous accrochons à ne pas pardonner. Parce que on met l'autre dans l'équation alors qu'en fait, faut juste, hop, il sort de l'équation. Il faut garder juste en tête qu'est-ce qu'il y a autour de ce, cette volonté de ne pas pardonner. Tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir si tu étais en paix. Ouais. Être en paix, c'est pardonner. Mm. Pardonner son passé. Mm. Est-ce que tu as pardonné à ton mm. passé ouais, okay. ah non, mais même au-delà, je lui dis merci. Okay. Parce que j'en ai l'ultime conviction de l'avoir choisi. J'ai choisi tout ce que j'ai vécu. Et c'est au service de qui je suis aujourd'hui. Mmh. Alors oui, ça me fait encore pleurer, mais c'est une émotion qui est... Euh, c'est pas, euh, pas une émotion... De tristesse Dont j'ai okay. honte, et c'est pas une émotion de tristesse. C'est juste une émotion intense qui... Voilà, c'est la nostalgie. Et oui, ma mère, elle me manque. Je, je lui dis merci pour, euh, pour, pour tout ce que son départ m'a apporté. Je lui dis pas merci d'être partie. C'est pas... Faut faire quand même la différence. Est-ce que ta foi... Euh, et toujours aussi euh, grande aujourd'hui qu'elle l'a été justement avec cette, euh, ces ressentis que tu as pu avoir à une certaine époque et ce contact euh, spirituel si intense que tu nous as décrit. C'est toujours le cas aujourd'hui ah, Elle a été décuplée par son départ. Ah, okay. J'ai des signes tout le temps. C'est ce que j'allais te demander. Elle vient me voir. C'est vrai Un parfum, quelqu'un qui arrive sur mon stand avec euh, son odeur, qui porte son prénom. Fin... Ah, ah ouais, ouais, souvent. Donc tu la ressens beaucoup comme oh, ça Ouais, ouais, ouais. Ah, elle fort, vient me voir. Fort, ouais, fort. Ouais, ouais, ouais. Super, mm. c'est beau. Cet espace dont j'ai manqué, bon ben. Bah... <laughs> Tout est dit dans le titre. Hein. C'est clair. clair ou pas Il est ouais. là en plus. Donc cet espace pour ne pas vivre mon deuil, pour ne pas laisser exprimer mon enfant intérieur. Cet espace quand je deviens mère et que notre société m'écrase avec ses injonctions laissez-moi vivre, laissez-moi respirer, laissez-moi être, laissez-moi ressentir, laissez-moi. Laissez-moi me tromper, euh, laissez-moi essayer, laissez-moi avoir confiance. C'est. Euh, ouais. Qui t'en empêche aujourd'hui Personne Plus personne, si Maintenant, c'est moi. Ah, c'est toi <laughs> ouais. C'est la petite voix intérieure. Ok. Elle te dit quoi, cette petite voix Elle dit que, que c'est blocage bah, Des elle... fois, elle me dit euh, Ouais, là, tu aurais dû faire différemment. Okay. T'aurais dû euh, être plus patiente avec ton enfant. Là, c'est pas cool. T'es rentrée, et puis euh, et puis t'as pas été euh... Présente comme il aurait, comme il fallait. Ouais, mmh. voilà. Et puis après, tout de suite, je me dis, euh, oublie pas que tu fais de ton mieux. Oublie pas que, ce... oublie pas que cette voix, c'est pas vraiment la tienne. Mmh. Oublie pas. Que... T'as fait ton mieux. T'as fait de ton mieux. As mmh. fait de ton mieux mmh. Si la réponse est oui, alors laisse-toi tranquille. Est-ce que cette petite voix répond à ta question Je suis très touchée par l'échange que nous avons aujourd'hui. <laughs> profondément. Euh, répond à cette question de la fierté. Tu vois, ça m'émeut ça aussi profondément. Ouais. Est-ce que tu es fière de toi Franchement, je ne sais pas où il est passé mon égo, ça fait un moment qu'il s'est barré. Mmh. <laughs> et c'est ok, tu vois, vraiment. Et sans être dans l'ego, tu, ouais, ouais, ouais. Tu, tu, suis... tu peux aussi te dire... Tu sais quoi, je suis super fière et excuse-moi, hein, mais quand je touche le cœur des gens. Mmh. Parce qu'en fait, c'est un lien qui... Comme un relais, tu vois, c'est mmh. une vibration qui va dans un sens et qui revient dans l'autre. Et euh, on est dans un monde où c'est terrible ce qui se passe, ce qui se joue, les guerres et tout ça. Mmh. Tout nous éloigne en fait du cœur et de l'amour parce que c'est le pouvoir, parce que c'est l'ego, parce que c'est des trucs qui sont. Et, et, pourtant, et pourtant, on pourrait en faire des choses merveilleuses. Hein. L'ego, ça nous a permis de survivre, hein. notre espèce, on en sûr. a besoin. Bien sûr. Mais c'est l'ego sale, c'est l'ego noir, c'est l'ego qui n'est qui qui pas, pas dans l'équilibre, qui n'est pas dans la lumière. Mmh. Et le pouvoir, c'est pareil. On ne se sert pas du pouvoir pour nourrir l'amour, on se sert du pouvoir. Et quand je dis on, bien sûr, ce n'est bah, pas quelqu'un qui, qui met en place une émission, qui produit une émission sur la lumière et le développement personnel. Clairement, ce n'est pas ça. Mmh. Mais c'est les guerres, voilà, toutes, toutes, ces, toutes ces saletés qui sont terribles. L'ego est nécessaire. Mais aujourd'hui, je suis fière de quoi Ce je, n'est je, 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 pas une constante, je suis pas fière de moi euh, 24 heures sur, sur 24 et 60 secondes euh, dans une minute, je suis pas fière de moi tout le temps, des fois je dors aussi, ça m'arrive. Mmh. <laughs> mais mais euh, il n'y a pas de... C'est n'est pas une constante. Ouais, voilà, ce pas linéaire ouais. et ce pas une constante. En tout cas, tu as des retours. Et ces retours-là. Mais, retours mais je suis trop contente. Tu as le droit de t'autoriser à dire, je suis fière de moi. Bah, je suis surtout heureuse, ouais. en fait. Bah, c'est ça, c'est quand ouais. même euh, l'essentiel. Ouais, c'est l'épanouissement de la construction, ouais, c'est vrai, vrai. Et le dernier Alors, alors euh, le dernier qui est sorti euh, l'année dernière, le dernier de la saga, hein, le septième, septième chakra euh, couleur indigo, il se passe à Paris, parce que j'ai vécu à Paris mmh. en 2016. Voilà, la meilleure année, je pense, pour prendre une gifle dans la figure aussi. Mmh. Et celui-là, il parle de l'enfant intérieur, celui qui m'a été inspiré parce que euh, c'est ce qu'on nous a dit, hein, que pendant les attentats, on avait perdu notre, euh, notre insouciance, notre liberté, notre magie, notre émerveillement. C'est vrai, on nous a enlevé ça, hein, avec tout ce qui s'est passé. Et, euh, et celui-là, c'est vraiment mon enfant qui me l'a inspiré, et qui a essayé, à travers ce livre, j'ai essayé vraiment de me reconnecter à, à ma joie innée et à, à cet enfant intérieur. En disant le message de celui-là, donc c'est sur l'enfant intérieur. Hein, voilà. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et à votre magie. Laissez tomber, d'ailleurs, hop, c'est là qu'il intervient celui-là. Heureusement que je ne l'ai pas mis pour la période où je pleure parce que ça n'avait ça pas de sens. Ça dit <laughs> donc celui-là, c'est <laughs> vraiment se dire déjà le ridicule ne tue pas ou le ridicule peut faire rire. Et là, c'est. génial. Tout ça sort ça C'est quoi ça, la C'est ma représentation. La genèse du truc. Oh, je sais même plus. Je sais même plus si attirer l'attention parce que je suis en dédicace et que personne me voit et que je suis dans un <laughs> rayon de cultura et que euh, mais vous êtes qui euh, hein, quelle maison d'édition je connais pas ouais. bon il faut que je me fasse repérer mince parce que c'est ma force quoi le clown c'est avec Chafouine euh, édition le hein, nez rouge hein. Chafouine <laughs> édition c'est la maison d'édition c'est la sienne c'est la tienne euh, de Marion euh, c'est la mienne euh, autre livre aussi à côté voilà. un livre de témoignages donc, euh, Depuis 2020, donc je suis également éditrice ouais. et le rêve, c'était euh, de réaliser le rêve d'autres personnes, mmh. euh, de donner la parole à d'autres personnes. Mmh. Et donc, j'ai lancé la collection Enfin Indigo avec euh, des, euh, des, auteurs, euh, des auteurs qui avaient les mêmes valeurs, les mêmes, valeurs, mmh. les mêmes euh, les vibrations, les mêmes inspirations, merci, les, mmh. mêmes, euh, les, les mêmes utopies, les mêmes. Mmh. Ouais, voilà d'un monde merveilleux dans le lequel les gens, ouais, les gens ouais. seraient heureux et ouais. parce que les humains heureux contribuent au bonheur des autres et voilà c'est le cercle vertueux donc on a Kitri qui a écrit un livre sur les EHPAD euh, une dyslexique qui croyait pas en elle qui s'est mise à aimer la lecture en pensant qu'elle n'était pas capable et qu'elle n'y arriverait jamais et puis derrière elle écrit un manuscrit de 400 pages qu'il fallait que je réduise parce qu'elle disait beaucoup trop de trucs <laughs> donc tu édites les autres hein, pour donc le j'édite les autres j'ai ah, dit super. que j'édite les autres depuis l'année dernière ouais. et celui là, là aussi trop. Et alors celui-ci condamné à vie, je sais pas, je, je, je me suis réveillée un matin, je me suis rappelée que mon père avait écrit un manuscrit. Et alors ce qui est dingue, c'est qu'il l'a écrit il y a une dizaine d'années, donc ma maman était toujours en vie, et qu'il y, y a une espèce de, de révélation dans ce livre qui est qu'en fait euh, en fait le personnage, il lui arrive la même chose qu'il arrive à ma mère. Okay. Et ça c'est dingue. Et ça c'est dingue. Et celui-là c'est vraiment donc il parle de l'écologie, parle de la condition humaine. En disant que voilà, c'est pas parce que nous on est du, côté, euh, du bon côté de la planète que ben, l'autre côté n'existe pas et que euh, c'est bien d'y penser. Pas tout le temps, j'ai pas de télé, j'écoute pas les médias et tout ça, mais les, infor les informations, l'actualité. Mais euh, c'est bien quand même de, 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 de se rappeler que quelque part, pendant qu'on est là, pendant que nous on est là à rire ou à vivre des trucs sympas, il y a des gens de l'autre côté de la planète qui vivent des choses terribles et effroyables pour savourer sa chance. Mmh. Toujours au service de... Mais ça veut dire que tu as édité ton père ouais, J'ai publié le roman de mon père, le, le manuscrit. Je l'ai sorti d'un hein Consécration. Ouais, genre... Non, non, mais consécration. <laughs> Il n'était pas d'accord mais... en plus avec la couverture. Je lui ai dit, mais si... On peut <laughs> s'arrêter là. <laughs> consécration. Mais non, parce que non, en fait, au final, la boucle est bouclée. Mais non, envie. mais c'est magnifique. <laughs> non, mais attends. Tu montes une maison d'édition, tu te sors de tout ça, tu fais la paix avec toi-même et tu vas jusqu'à. Ouais. C'est une sorte de. Enfin, Moi, je le prends comme ça, en oui, tout oui, cas. Oui, oui, une sorte de pardon. Ah, le bah, pardon de, de... par rapport à ton père. Ah, mais non, et tout mais c'est même pas un pardon, c'est une lettre d'amour, quoi. Complètement. Euh... Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une preuve d'amour, puis... C'est une consécration. Euh... J'avais pas fait le rapprochement. Je me demandais qui était ce Vincent Dubé. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Euh, ok, non mais voilà, effectivement. Euh, donc même si ton papa n'est pas raccord avec les, la photo et l'image, si c'est un photographe, si avec, ah, okay. euh, si, si c'est lui. Hein. Ah bon, d'accord, d'accord, d'accord. Parce que tu disais, tu disais il n'a pas aimé la, la couverture. Non, de, des banalités extraordinaires. Ah des banalités extraordinaires. Du titre. Ouais. Ah ok ok. Parce que voilà, okay. et puis je le vois, les réactions en dédicace, c'est, on est toujours très mal à l'aise avec la mort. Hein, euh... Sur euh... Sur 550 émissions qu'on a déjà produites, c'est la première où j'ai ce, ce, cette émotion-là. Ah émotion. oui, je me démarque. Je me démarque, Marc. C'est Extraordinaire, extraordinaire. Alors, oui, merci évidemment, pour ta confiance. tu vas lancer, euh, tu vas lancer une sorte de challenge, en fait, euh, parce que je suis convaincu qu'il y a des manuscrits dans les tiroirs. Je suis convaincu, sans doute comme toi, qu'il y a des gens qui ont des choses à raconter, qui ont des histoires. Et en tant qu'éditrice, aujourd'hui, peut-être que tu peux offrir ce cadeau-là cadeau aux gens. C'est ça l'idée Alors l'idée c'est euh, je remettais bout à bout plusieurs petits cailloux blancs sur mon parcours et alors beaucoup de gens qui me lisent m'écrivent derrière en me disant euh, Ça m'a donné envie d'écrire. Oui. Ça m'a redonné le goût d'écrire. Quand, quand je lis ton histoire, j'aurais pu l'écrire en fait. Ça a l'air si facile. Bon l'ego pourrait se dire euh, pardon, mm. <laughs> mais pas du tout. Il se dit génial <laughs> Parfait, c'est est nickel. Et donc, euh, j'ai une dizaine de lecteurs qui ont publié, depuis euh, qu'elles me connaissent, leur premier livre. Parce que ça leur a donné, tu les as incités ouais. à, à écrire et donc à publier. Dé, je ne sais pas ce que j'ai débloqué en elles, ah ouais, ça, mais désormais, elles se sentaient capables. Magnifique. Et elles sont vraiment arrivées, donc euh, elles m'ont envoyé un message, ça y est. Hein je les ai tous achetés, ça va de soi. Hein mmh. Et, euh, et, et c'est génial. Et souvent sur les, sur les salons, euh, quand je rencontre des gens, euh, toujours les rencontres sont très très fortes, très chargées en émotions. Il y en a qui me disent, voilà, est-ce que, parce que moi aussi, il m'est arrivé une histoire et j'aimerais beaucoup publier. Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est la démarche d'écrire mmh. qui est viscérale chez elles, chez ces personnes, et que de terminer de l'écrire. Et l'étape de se faire lire, mmh. ça viendrait réparer quelque chose. Ouais, de le monde reconnaît ma souffrance. Mmh. De, je le sais parce que c'est ce qui s'est passé avec moi. Bien sûr. Le monde reconnaît ma souffrance. Avec le premier livre, les gens me disaient, oh, j'avais envie de te prendre dans mes bras. Mais ça m'a nourri. Ça a contribué hein, euh, à ma reconstruction, ai, à ma guérison. J'en ai parfaitement conscience et je le dis souvent. Du coup, l'année prochaine. Et c'est venu vraiment, euh, c'est venu très récemment. Hein. Je t'ai écrit avant l'émission, euh, ça serait bien qu'on parle de ça parce que ça C'est arrivé, arrivé la semaine dernière. J'ai visualisé lors d'un soin, c'était assez dingue, j'ai fait un voyage, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrive, où tout est venu et, 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 et quelqu'un m'a dit, je ne sais pas qui c'était, c'était peut-être moi. Hein, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu montes une masterclass au cours de laquelle des gens vont venir parce qu'ils ont besoin de créer en fait une espèce de, de, de retraite, de, mmh. de, de se retirer de leur quotidien, s'isoler et de venir écrire leur histoire. Ils ne sont pas capables, de la même façon que je ne suis toujours pas capable de faire du sport chez moi toute seule, d'être accompagnés et mmh. d'avoir créé un contexte et souvent de payer d'ailleurs pour ça en ayant un engagement financier pour, ok, là, j'écris, je suis là. Pour ça, je n'ai pas le choix, je suis là. Il n'y a pas de je vais faire une lessive ou je vais aller voir ma copine au ciné. Je ne peux pas m'enfuir, en fait, je suis là. Et donc, l'idée, c'est pendant sept jours d'accompagner euh, entre 15 et 20 élèves à écrire leur manuscrit. Et le challenge sympa, c'est que derrière, euh, ben, je vais peut-être mettre en place un espèce de concours ou de vote, ou peut-être que moi, j'aurai euh, le truc qui va faire ding, mon petit euh, dong mmh. intérieur, qui me dira celui-là, il faut que tu le publies. Et l'idée, c'est d'en publier deux dans le lot. Voilà. Bon, je dis deux ce sera peut-être cinq hein. j'en sais rien ouais, hein, ça, veux, ça va m'offrir mais l'idée c'est ça voilà c'est sept jours avec euh, des ateliers euh, de, de libération émotionnelle des cercles euh, de d'introspection de, 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 enfin voilà beaucoup de spiritualité et euh, parce que bah, en fait l'écriture c'est libérateur mmh. je l'ai vu avec moi je l'ai vu euh, je, je le vois avec mes lecteurs aussi quand ils se mettent à écrire c'est très libérateur donc ce sera un espèce de fourre-tout d'amour, d'atelier d'écriture et tout ça pour arriver à la fin. Ils ont écrit leur histoire. Est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà une histoire à écrire ou est-ce que peut-être que ce sont des gens qui viennent, qui ont le désir d'écrire mais qui ne savent pas nécessairement de quelle manière s'y prendre Je pense que tout est possible. Ouais. Je pense que... Euh, Ils vont venir chercher l'inspiration. La magie se mettra mmh. au bon endroit. Oui, tu as raison. Ceux mmh. qui se mettront des barrières, je ne peux pas financièrement, je n'ai pas le temps, c'est que ce n'est pas pour eux. Ceux qui se diront, bah, tiens, c'est une bonne idée. Mmh. Ah, ben bah, c'est rigolo, ça se fait en place et puis ça marche. C'est qu'ils ont une place à être pour être là. C'est une très euh, très bonne idée. Et tu vas les éditer ensuite. Oui. Ouais, c'est extraordinaire. Tu as un parcours de vie que je trouve absolument fascinant, que je trouve inspirant que je suis très content d'avoir présenté à, à l'ensemble de la communauté euh, la sensibilité. Bon, ben bah voilà, hein, comment te dire, on, on l'a eu, hein, ça c'est sûr. On a bien compris euh, d'où ça venait. Euh, Aujourd'hui, euh, on sent que tu es, voilà, es devenue une euh, femme de caractère, qui sait où elle va, euh, qui euh, voit toujours le verre à moitié plein. Ça, j'ai à apprendre là-dessus, tu sais. Et je trouve que ça c'est une vraiment une belle, sans... belle et simple philosophie de vie. Ouais, mais sans injonction vraiment. Hein. C'est euh... pas tout le temps. Hein. Bon, les oreilles t'es pas obligé. Hein. Mais... <rire> <rire> il y a un gars qui est venu me voir la semaine dernière, il me dit ils sont pas sympas. <laughs> je dis mais qui Il me dit bah ceux qui vous ont forcé à oui, mettre ça, ça sur la tête. <laughs> Je sais, ah mais, mais c'est moi je suis libre j'ai choisi ça, je vous jure c'est ça c'est comme, euh, comme toujours la, 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 la tenue que, tu, que tu, tu mets sur ton site internet et tout ça là. non mais parce que tu peux pas vivre avec ça je veux dire je suis obligée d'être assise et c'est très ça. inconfortable non, mais qui t'a imposé de, de, de ah porter une tenue comme ça mais je sais pas il y a, y, a, y a une version de moi un peu barge qui m'a dit euh, tiens tu devrais mettre ça pour la photo et puis je l'ai goûté ce jour là j'ai décidé de l'écouter et tu vois ça, 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 ça crée de la conversation donc c'est parfait bon. pour terminer euh, Marion, ta définition du bonheur, ce serait quoi aujourd'hui ben, Comme Julien Perron que tu as reçu il euh, y a une semaine autant de définitions de définition que d'individus mmh. écoute ce qui vibre en toi et ce qui t'anime et ce qui, ce, qui, ce qui te rend vivant c'est quoi ta joie celle de l'un n'est pas forcément celle de l'autre euh, juste comprenons juste qu'il y a urgence d'être heureux donc quand tu sens que là t'es pas heureux, cut that shit, Chut. change de direction. C'est aussi simple que ça. Je pense que beaucoup d'entre nous le comprennent, en revanche... C'est difficile à switcher mettre, en application. Et mettre en application. Ouais, mais parce euh, que c'est quoi C'est des croyances limitantes. Pas nécessairement, il y a aussi euh, les conséquences que ça engendre. Tu sais, quand tu es dans un flot avec euh, une famille, avec des euh, obligations, avec des choses comme ça, il y a des gens qui sont peuvent... malheureux. Mmh. Un membre de la famille. ça, ça m'arrive souvent, donc c'est rigolo que tu choisis cet, grand, cet exemple. Mais j'ai des dames qui, a, qui arrivent sur mon stand et qui me disent euh, Mais je ne peux pas les quitter. Je dis Mais tu te rends pas compte, en fait. Tu restes, déjà, tu n'es pas dans ta vibration. Donc forcément, ça impacte tout le monde dans le foyer. Demain, tu pars. Alors oui, tes enfants, ils vont peut-être te faire la tronche. C'est une possibilité. Mais ce que tu leur donnes comme message, c'est Demain, si un d'eux de un, un se retrouve dans la même situation à être enfermé dans un mariage dans lequel il n'est pas épanoui, il saura qu'il a peut-être la liberté de le faire. Parce que maman a eu le courage de le faire. À la poursuite de son bonheur. Et je suis sûre que c'est au service de quelque chose de bien, c'est-à-dire que tu vas peut-être rencontrer l'amour, certainement d'ailleurs. Et puis ton mari. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Euh, c'est absurde de croire que lui, il est dans le déni au point de ne pas sentir qu'il y a un truc qui cloche. Quoi. Tout le monde sait qu'il y a un truc qui cloche. L'éléphant au milieu du salon, on a décidé de fermer les yeux dessus, mais tout le monde le ressent. L'impact, il est pour tout le monde. En, en partant. Tu, tu, tu les affranchis de tout ça, de se dire, putain, moi aussi je pourrais demain. Et ce sera au travail d'avoir les couronnes, de, de, mmh. de quitter un emploi qui est hyper confortable financièrement et de se dire, euh, ben bah voilà, mais je pars parce que je ne suis pas épanouie. Et d'aller euh, faire un truc euh, au service de ton bonheur dans lequel tu vas rayonner et tu vas pouvoir partager, transmettre, euh, mmh. inspirer. Si tu pas heureux, tu pas au bon endroit, tout simplement. Et ça, dans n'importe quelle sphère de sa vie, alors oui, ça demande du courage. Sûr. Le plus dur, c'est la décision. Merci infiniment, Marion. <laughs> merci, merci, merci. Merci pour tous ces, tout ce que tu écris, merci pour tous ces, ces ouvrages. Il y en a un qui est en cours. Ouais. Le thème, on peut savoir, non Le suicide. Ah. Ça aussi, là, évidemment, ce sont des, des mmh. sujets délicats à aborder. Ouais. Et tu vas les traiter avec humour. Et c'est là où on se dit, waouh, la passerait est... les... Mmh. Je les traiterai euh, sans, y sans y réfléchir. Et il y aura ah. sûrement deux, trois blagues cheloues qui partent. Qui <laughs> là, sûr. Marion Dubé, notez l'édition, édition, édition euh, Chafouine, édition. Ce sont des ouvrages euh, qui peuvent vous aider, comme euh, le bon nombre de psychologues et de thérapeutes qui les recommandent. Et on a bien compris au travers de l'énergie de, de Marion, euh, d'abord son parcours de vie, ce qu'elle préconise au travers de ses, ses ouvrages, de quelle manière... La thérapie du rire, du rire lui a sauvé la vie, on peut dire ça. Tout à fait. Ouais. Et les lecteurs. Et les lecteurs, ouais. bien entendu. Et, les et vous aurez l'occasion mmh. d'entrer en contact avec, avec Marion, de la voir évidemment dans les différents euh, salons du livre et autres dédicaces euh, à droite à gauche, et puis de participer. On va remettre une dernière fois le visuel euh, pour cette masterclass. Et si vous avez vous aussi dans vos tiroirs ou au fond de vous quelque chose enfoui qui vous incite un jour à écrire votre histoire et à peut-être à être publié, ce qui est quand même le Graal, moi je trouve, eh bien euh, participez à cette masterclass, entrez en contact avec euh, les éditions Chafouine et avec Marion et puis euh, bonne chance pour la suite évidemment. Merci infiniment Marion. Merci, merci, c'était un vrai bonheur. Merci. Et on se retrouve très vite, vous commentez, vous partagez, vous connaissez le principe. Salut, prochaine rencontre dans euh, quelques jours. Salut. <music>